dans mon biz. Ma toile des rues de Marseille à celle de Montréal. Mes bras sont mes... Représenter les miens n'est pas une charge, mais un honneur. Je me dois d'être à la hauteur de la tâche. Tu veux ma place, va falloir te lever du bonheur. C'est pas toi, tout ce que j'ai dû faire pour en arriver là. Marseille, c'est pas la... Ok, c'est SAT, le deal artificier. Regardez mon réalité. Yeah. Veux-tu que je trempe ma plume dans les bons sentiments? Cette époque n'est que crimes et châtiments. Moi je te le dis gentiment, tous prendront pas mes pincettes. Je pense que si je suis toujours là en 2010, c'est parce que j'ai jamais lâché, jamais arrêté. Tu sais, dans la carrière d'un artiste, il y a des temps forts, puis il y a des temps faibles. Et puis c'est là qu'on apprend sur soi-même, tu vois, tu peux pas constamment être au sommet. Il y a des moments où il faut savoir se faire un peu plus discret, histoire de recharger les batteries. Mais il faut pas dormir, et surtout pas trop longtemps, parce que il y a énormément de compétitions, il y a énormément de nouveaux gars qui arrivent au quotidien dans ce milieu-là. Et forcément, tu sais, un jour t'es celui qui chasse et un jour t'es celui qui se fait chasser, tu vois, c'est-à-dire que plus jeune, j'étais dans la position des jeunes loups qui veulent prendre la place d'autres gars. Et aujourd'hui, forcément, il y a des gars qui veulent prendre la mienne. Donc, mais ça fait partie du jeu, tu vois. C'est normal, quand tu te lances dans ce milieu-là, faut être prêt à affronter tout ça. Après, tu sais, quand c'est ta passion, la musique, quand tu vis pour ça, quand ça occupe tes pensées au quotidien, t'arrêtes jamais. Faut beaucoup se remettre en question. Faut jamais se reposer sur ses acquis, tu vois, comme je le disais, un coup t'es en haut, le lendemain tu peux être en bas, mais comme t'es en bas, tu dois apprendre pour justement apprendre à te relever. Et donc c'est un cycle, et je pense que ceux qui ont réussi à durer dans le temps, c'est ceux qui avaient la passion, qui faisaient pas ça que pour le fric, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu sors sur les modes, tu disparais avec les modes. Le tout, c'est de réussir à être une mode en soi, d'être un vrai leader, tu vois. Au moins, tu prends des gens dès le début et puis tu suis sur la durée. C'est ça le but. Sur Diaspora, mon approche, elle a été un peu différente de mes précédents albums, parce que sur cet album-là, je ne suis pas uniquement artiste, je suis aussi producteur, parce que c'est mon label qui a produit ce disque-là, et je me suis positionné comme un réalisateur artistique, c'est-à-dire que j'avais une idée très précise de certains artistes que je voulais à tout prix avoir sur ce projet-là, mais avant d'aller les voir, je voulais être sûr de la direction dans laquelle j'allais les amener. C'est-à-dire, je voulais aller voir chaque artiste avec un son, une seule prod, un thème, un seul concept, un texte déjà écrit en ce qui me concernait, histoire de leur faire écouter, de leur dire « Voilà, j'ai pensé à toi pour ce titre-là et pas un autre. » Et je l'ai fait parce que je pense assez bien connaître tous les artistes que j'ai invités. Pas juste humainement, je parle artistiquement parlant. Et quand j'invitais un gars, je savais que je l'emmenais sur son terrain musical et sur son terrain lyrical. Moi, mon avantage, c'est que je suis un peu un touche-à-tout dans le rap. Je peux faire autant de l'ego trip, du freestyle, que raconter une histoire ou alors faire quelque chose de beaucoup plus consciencieux avec du message. Et donc voilà, tout au long du disque, j'ai invité des gens pour qui j'ai une vraie estime humaine et artistique, parce que je ne dissocie pas les deux. Et le but, c'était d'aller sur le terrain de chacun, d'amener chacun sur mon terrain. Donc voilà, je me suis positionné comme artiste, mais aussi comme réalisateur. C'était important pour moi. Notre issue finale, seul l'avenir le dira, du seul c'est comment ça se finira ou négocier. À ce jour, c'est pas d'actualité de recollaborer avec le groupe, avec FF. Pour autant, comme on dit, faut jamais dire jamais. On a arrêté de travailler ensemble à un moment où on n'arrivait plus à travailler ensemble. Parce que déjà, on s'entendait plus aussi bien qu'au début. On partageait plus forcément les mêmes valeurs, les mêmes visions, on n'avançait plus dans la même direction. Dans ces conditions-là, c'est difficile. Et même musicalement parlant, il est arrivé un moment où on n'avait pas forcément envie de faire la même chose non plus. Donc je pense qu'à ce moment-là, il était important d'arrêter. Maintenant, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, pourquoi pas, ça sera au complet.
Ça serait bon ça. Tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter. Le trop sur le terrain qu'on a choisi, demande à l'artificier. Artière, Henri meurtrière. On imposera nos lois. Souvent les gens me demandent d'où vient ce cahier de l'artificier. La première fois, c'était dans un titre qu'on a fait avec Troisième Œil, Faflarage, Laura Luciano, Fraîche du Venin. C'était dans le premier album du Troisième Œil, Hier, Aujourd'hui, Demain, dans le titre qui s'appelle Tête Brûlée. Et le concept du titre, chaque MC devait se trouver un autre blaze, un autre quai que le sien. Je me souviens, le rat il s'appelait le niqueur, Faflarage il s'appelait le nettoyeur. Et à l'époque, je ne rappais pas comme je rappe aujourd'hui. C'était plus explosif, je rappais plus fort, j'avais une voix plus aiguë. Et ça faisait un peu esprit artificier, je prends l'instru pour l'exploser, tu vois. Et c'est parti de là. Et puis de ce jour-là, y a les gens qui connaissaient ce titre-là, ils s'amusaient à m'appeler l'artificier. Et après, avec le temps, ça a commencé à rester. Et puis les deux noms n'ont plus formé qu'un. Et aujourd'hui, j'aime bien jouer avec ça. Ça, c'est un peu plus l'aspect conscient, tu vois, l'analyse. La profondeur et l'artificier, c'est peut-être un peu plus le côté fou. Je dis souvent, tu vois, j'ai ce côté yin-yang, capable du meilleur comme du pire, et je trouve que ça me résume bien. Je vais être honnête avec toi, si je l'avais trouvé, je l'aurais mis dans un coffre-fort. Ce coffre-fort, je l'aurais jeté au fond d'un lac, et voilà, je serais le seul à savoir où c'est. Je ne sais pas s'il existe une clé, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que à courir après le succès, on le trouve pas forcément. Je pense que le succès, il te tombe dessus, peut-être même au moment où tu t'y attends moins. Après, faut pas se voiler la face. Dans tous les domaines, et c'est pas que dans la musique, pour moi, il y a vraiment trois notions qui sont importantes. La première, c'est le travail. Si tu travailles pas, t'arrives à rien. Le travail, c'est la clé de tout. Mais le travail sans talent, malheureusement, ça sert à rien. Parce que tu travailles dans le vent, tu pédales dans le vide. Donc, il faut avoir un certain talent à la base, beaucoup travailler. Et je dis souvent que le talent, c'est comme un diamant à l'état brut. Un diamant à l'état brut, c'est qu'une pierre. Ça vaut rien. Une fois que tu la tailles, une fois que tu la travailles, c'est là que ça devient un objet précieux, c'est là que ça devient un bijou. Donc, une certaine dose de talent, beaucoup de travail derrière, mais après il y a un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est la chance. C'est-à-dire que tu peux avoir du talent, tu peux travailler, si un jour tu n'as pas le facteur chance, ça ne suffira pas. Mais attention, la chance, ça se provoque, ça se cherche, et quand elle passe, il faut la saisir. Faut l'attraper parce que c'est pas dit qu'elle repasse une deuxième fois devant toi. Et j'en ai vu beaucoup avoir du talent, travailler, voir la chance passer, mais ils l'ont pas saisi à ce moment-là et elle est plus jamais repassée. Check, SAT, de l'artificier, de mon reality show, à écouter, yeah. Punctuality, 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 punctuality.